Tu dois courir pendant plus de 3 heures. Ah, cette journée elle est compliquée hein. Il fallait crever aussi ou pas? J'aimerais vraiment pas être un Sims, vraiment. C'est bien beau de jouer aux Sims, mais qu'est-ce que ça donnerait si on devrait nous aussi vivre pendant 24 heures comme un Sims? Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va vivre comme un Sims pendant plus de 24 heures. On va noter chaque réaction qu'il fait du matin au soir et faire exactement la même chose. Malheureusement, je n'ai pratiquement jamais joué aux Sims et en plus ça, je n'ai même pas le jeu. Donc c'est pour ça que merci à la sœur de Trevor, Eden, d'avoir pu réaliser cette vidéo et nous avoir construit les Sims, ma maison entièrement. Vous allez voir à la fin, travail de dingue. Donc c'est parti, on passe directement sur les Sims. Let's go. Voilà, donc comme vous pouvez voir, elle a vraiment représenté super bien ma maison et même l'intérieur, vous allez voir. L'armoire qui est là, la guitare qui est là, le détail, la télé et tout. Franchement, elle a géré de ouf, t'as géré de ouf. Si tu regardes la vidéo, merci énormément. Et là, donc là, c'est ma chambre. Ah, je me suis là, moi. Ok, donc elle m'a fait dormir dans ma chambre. Oui, malheureusement, j'ai oublié de la prévenir que maintenant, je dors dans mon studio. Bon, là, il est actuellement 7h56. Non. Me dis pas que... Mais... Non. Il se réveille à 8h10 du matin. Je suis pas bien. Je me réveille jamais à 6h là, normalement, moi. Il fait des putains d'étirements. Non, vraiment, faut que je m'étire comme ça là. Je m'étire jamais au réveil, jamais. Jusqu'à 8h13, il s'étire. Ensuite, il descend. Bon, je vous montre pas que j'ai du mal, hein. Je suis pas matinal moi. Quand il se lève, il fait des étirements jusqu'à 8h13. Donc, on va faire des étirements. Je sais pas pourquoi je gueule, on dirait un vieux. Par contre, je vous le dis, je mets un t-shirt. Simplement que je suis en train de faire une transformation physique. Première pour moi de se réveiller et faire des étirements. Est-ce que c'est bien ou pas? Quand vous vous réveillez, est-ce que vous étirez ou pas? Franchement, qui fait ça? Il va à la poubelle. Donc à 8h28, il prend les poubelles. J'en connais qui vont être contents, mes parents. Bon là, j'ai jusqu'à 8h28. À 8h28, je dois aller jeter les poubelles dehors. Je viens de recevoir mon masque. J'ai commandé un masque d'un faux vieux, mais rien que les cheveux sont pas bouffants. Ça me fait peur déjà. Là, sur le site, il paraissait tellement bien. Ça tourne au ridicule, franchement. Mais c'était évident, Anthony. Une écharpe et des lunettes de soleil, ça passe. Non mais sérieux, c'est une blague. Regardez la vidéo quand même que j'ai vue avant de l'acheter, voilà. Voilà team, là il est 8h28, je dois aller mettre la poubelle dehors. Je vous le dis par contre, j'ai pas l'habitude de me lever, pas manger ni boire. Moi de base quand je me réveille, je bois et je mange, là j'ai faim. Si tu n'es toujours pas abonné sur la chaîne, je te laisse t'abonner à la chaîne YouTube. Parce que comme tu peux voir sur la chaîne, on fait un peu de tout, tu vois. Allez, jeter les poubelles dehors, j'espère vraiment ne croiser personne. h 37, il est mai. Attends, et je vais devoir rester comme ça, comme un con devant ma poubelle pendant combien de temps? Comme le Sim, je dois attendre devant comme un con. Ok. Ça paraît plutôt bien là. Attends, cours! Le poteau il tape des pompes, il en tape combien? Tenez, ça c'est important ça. 20, 21, 21 pompes! Donc le type va sortir ses poubelles, il attend devant sa poubelle, et ensuite il fait 21 pompes. Ok, ça commence bien. C'est parti pour faire 21 pompes devant chez moi, à 8h30. Que rêver de mieux. Juste imaginez vous croisez quelqu'un dans votre rue comme ça, qui tape des pompes le matin avant d'aller travailler. Ça serait excellent. Ça réveille, c'est bien, ça réveille bien franchement. Bon là j'imagine qu'il va aller manger. Parce que moi je mange, dès que je me réveille je mange, c'est la première chose que je fais. Je mange. Il va dans mon salon et il allume la télé. Donc à 9h20, il allume la télé. Ok, pendant combien de temps je... En plus, la télé est debout. Je regarde la télé debout. Ok, mais ouais, t'as un canapé qui est juste à côté. C'est long, je déteste être debout en plus quand, en regardant un truc. Ça y est, ça fait une heure que je suis dans la télé debout, à regarder la télé debout. Putain. Oh, enfin il atteint la télé à 10h39. Ok, là il est 8h20, donc ça veut dire que je dois aller regarder la télé debout. Et non pas prendre du plaisir. Non, non, non. J'ai plus internet. Donc ça veut dire que là je regardais la télé mais je ne sais pas ce que je vais regarder. Attends, je vais t'expliquer. Expliquer quoi? Tu t'es foutu de ma gueule, merci, j'ai pas besoin. Bon, je sais pas du tout ce que je regarde. En tout cas, je vais pas vous mentir, c'est à chier. Bah voilà, en même temps, c'est une série française. Oh, 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 oh. C'est hyper bizarre, mais en vrai, c'est plutôt agréable. Essayez chez vous, regardez la télé debout, vous allez voir en vrai. C'est pas mal. Bon, il est 10h48. Je suis resté 10 minutes de plus. Parce que franchement, j'avoue, j'ai été. Je dois vous avouer en fait que je suis quelqu'un. Quand je regarde quelque chose, même si c'est de la merde, bah ça me donne envie de continuer de regarder. Enfin bref, là, ce qu'on va faire, du coup, une bonne activité enfin. Ok, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me dirige dans la cuisine pour. Pour, allez, dis-moi que tu vas manger. Bah, logiquement, dans la cuisine. Ok, t'ouvres le frigo. Il se fait des œufs. On va enfin manger parce que là, il est 10h, presque 11h. Et j'ai la dalle depuis tout à l'heure, j'ai le ventre là, j'ai trop faim. Enfin, manger des œufs après, c'est pas non plus un exploit, mais on va quand même manger donc c'est cool. Allez, let's go. J'ai grandi dans le
dans la rue. T'es une merde! En fait, je vous explique ce qui vient de se passer là. J'ai pris la poêle, j'ai mise là tout à l'heure, et j'ai fait ce que je viens de faire là. Mais de base, il n'y avait pas d'huile dedans. Sauf que j'ai vu la caméra, j'ai fait ah merde, ça filme pas. Et je me suis dit, ça peut être stylé et tout, je mets pas de son. J'avais oublié que j'avais déjà mis l'huile entre. Ouh! Oh, c'est nul. Voilà. J'ai voulu faire un truc stylé devant la caméra pour une transition, je viens de péter mon jaune. Yes I! Donc franchement pour l'instant la vie des Sims c'est pas ouf hein. Ok, bon pour l'instant enfin on va pouvoir manger. Bon je suis pas trop salé le matin mais bon, tant pis on va s'adapter hein. À 11h42, je commence à manger. Ok, à midi 28, j'arrête de manger. Bon bah écoutez, on va manger les petits œufs, c'est parti. Voilà, super, je vais... Je vais beaucoup manger, je me régale. Oh là là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu hein, parce que j'ai remarqué quand je fais des lives, d'ailleurs oui je fais des lives sur YouTube, n'hésitez pas à activer la cloche de notification sur YouTube pour être notifié dès que je fais une vidéo et surtout quand je fais un live, parce que quand je fais des lives c'est trop cool, on parle tous ensemble et tout ça. En ce moment j'en fais de plus en plus et justement j'ai remarqué qu'il y avait limite plus de likes sur mes lives et plus de vues sur mes lives que mes vidéos principales. Donc j'avoue je comprends pas trop. Ah enfin il va se poser. Ah on va pouvoir se poser pour regarder la télé. Bon midi 28. Allez c'est parti, on regarde la télé. Honnêtement je vous mens pas que ça commence à me saouler parce que je déteste avoir des horaires fixes en fait. Moi je quelqu'un que justement je me suis mis à mon compte pour ne pas me dire ok à telle heure je dois faire ci, à telle heure je dois faire ça. Et là c'est trop chiant parce que je me dis oh putain à telle heure je dois faire ci, à telle heure je dois faire ça. Midi 43 qu'est-ce que je vais faire? Oh là non. Midi 43 je vais courir. Combien de temps? De la musique c'est cool, ok, de la musique ça c'est cool ça, ok. Ah j'ai pas eu béton. Ok. Attendez je vais avancer parce que là je me rends pas compte, je sais pas trop. What the fuck. Non c'est une blague. Il arrête de courir à 15h14. Donc ça veut dire que je dois courir pendant midi, 1h, 2h, 3h. Je dois courir pendant plus de 3h. Non mais ouais ça c'est vraiment la pire chose. Mais ouais c'est une blague. En plus je suis en sèche, ça va être la pire chose. Je suis en sèche, je vais avoir que des œufs, je vais devoir courir pendant 3h. Oh non, là par contre je suis dégoûté. Bon actuellement midi 43. Et qui dit midi 43 dit... Je parle pas, je parle même pas avec vous parce que je sais que vous êtes tous derrière vos écrans là, tout content là. Ça se trouve même moi en train de faire le montage je suis content là comme ça là. C'est pas drôle putain, j'ai pas envie. Pourquoi vous faites ça les Sims? Peut-être qu'il est cassé hein. Bon allez, on se change comme dans les Sims. Yes. C'est parti. J'ai pas du tout envie là. Oh non, il marche pas. Oh, j'ai cru qu'il marchait pas, j'étais content. Non. C'est pas. Alors en fait, je m'étais trompé quand j'ai dit que c'était 3 heures. Oh non, putain. J'ai peur, j'ai quelqu'un derrière moi. Wow. J'ai failli crever, vous êtes ou pas? Oh my god. Sans toi. Et maman, non. Je me fais chier. Y'a rien à faire là. Je te vois, t'es pas abonné hein. S'il vous plaît, je veux pas tout ça pour que vous abonniez pas. Allez, un petit abonnement, un petit commentaire, un petit like. S'il vous plaît, la famille. Ah! Oh non! Putain, je l'ai arrêté! Oui! Oh! Ah, je suis mort! Et là, actuellement, 15h14. Donc là, je peux aller me doucher. Mon état doit être catastrophique en vrai là. Je vais être vraiment dans le même état que lui là. Je suis mort la team, je suis mort. Je vais pas vous montrer comment je transpire parce que mon physique, en ce moment je fais une transformation physique. D'ailleurs si t'es toujours pas abonné à la chaîne, je te laisse t'abonner parce que là je suis en train de tourner une vidéo en même temps de me transformer physiquement pendant 28 jours et en même temps de ne pas regarder mon physique dans le miroir pendant 28 jours. Donc mon physique pour voir comment j'évolue. À la fin ça va être incroyable l'évolution, c'est sûr. Parce que je fais du sport tous les jours intensif. Bon là aujourd'hui j'ai pas fait la séance de sport vu que j'ai couru. Je pense que ça suffit. Bon je vais vous montrer du coup. Ah mais oui je suis con. J'ai fait que l'arrêter et là pour l'instant lui il compte que j'ai couru que 44 secondes. Voilà, bref on va aller se doucher. On va à la douche. Douche à 15h35. Ok, je me douche. J'ai l'air de bien kiffer dans la douche. En tout cas, je dis ça, je dis rien, mais ça a l'air d'être cool. Hein. Ouais, bon, ça, je pense pas. Par contre, je vais vous le montrer parce que c'est un peu trop intime. Ok, donc à 16h21, je sors de ma douche. Non, par contre, ça, je ne ferai pas autant de douche parce que c'est limite
une heure de douche, ok? Une heure de douche, qui se douche pendant une heure? Je suis HS, ok? Il est actuellement 16h25. Prochaine activité, vous allez voir, vous allez découvrir tout de suite avec moi dans le studio. Mais avant, je dois vous dire quelque chose. Là, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas couru. Déjà, j'ai vu que j'ai rien dans le ventre, j'ai super mal au crâne, ok? Là, je me sens un peu fébrile, là, je vous mens pas, ok? Par contre, je viens de me réaliser un truc. Normalement, enfin, le Sims ne boit pas, ok? Donc, j'étais pas censé boire. Mais je me rappelle, maintenant, là même vous, vous avez dû le voir, vous avez dit, Manto, tu fais quoi là? Vous avez vu, pendant que j'ai couru là, j'avais une boisson, j'étais en train de boire une boisson. J'avais complètement zappé. Bon, j'en profite pour vous parler vu que je suis posé. Vous connaissez Trevor ou pas? Bon, ma communauté, vous savez très bien c'est qui dans les lives à chaque fois que vous voyez. Sans sa sœur, cette vidéo n'aurait pas été réalisée. Merci à toi, merci beaucoup. Enfin, merci, je sais pas, parce qu'il a quand même couru, ok? Du coup, ouais, elle a une chaîne YouTube, ok? Où elle chante merveilleusement bien. Petit extrait tout de suite. Elle a vraiment un talent. Donc allez vous abonner à sa chaîne, ça vous coûte rien et ça lui permet de se motiver à vraiment commencer YouTube et à chanter toute la nuit. Ok, bon là qu'est-ce que je vais faire du coup? Ok, là à 16h51. Ok, bon je danse. Oh my god, ça va être gênant. Ouais, vas-y, à 17h j'arrête, c'est cool. Ce qu'on va faire du coup, c'est que vu que je ne suis pas un danseur professionnel et ce sera inintéressant pour la vidéo, je vais vous montrer en boîte de nuit le genre de style de mec qui danse, ok? Ça va être hyper gênant, attendez. Hyper gênant, vous êtes prêts ou pas? Le premier, le timide qui veut danser un peu mais pas trop, qui veut pas se faire trop remarquer. Celui qui fait un effort mais pas trop. Ouais. Celui qui a beaucoup trop bu et qui ne sait plus ce qu'il fait. Ok, bon, je vous laisse, je continue ma petite danse et on se revoit après hein. À 17h11, je me prends à boire. Quoi? À 6h11 tu bois un genre de milkshake? C'est une blague. Non mais j'aurais faim moi en fait. Mais je vais crever la dalle. En plus j'aurais couru avant 3h. Mais oh là là, ça va être quoi cette journée là? 17h12, je peux boire. D'après ce que j'ai vu dans les Sims, dites moi si vous êtes d'accord dans les commentaires, c'était un genre de milkshake. Donc j'ai pris un milkshake Barbles. Oh my god, jure c'est un délire. J'ai l'impression de boire un Nesquik. Journée horrible demain en fait. Ok, je continue de boire. Qu'est-ce que je fais là? Je reste debout dans la cuisine. 17h56. Pendant combien de temps je reste debout là? Cette journée va être interminable en fait. Vraiment va être. Pendant pratiquement 30 minutes, je dois rester debout devant ma cuisine. C'est super, j'adore, grave intéressant. Donc là il est 17h50, c'est parti. On va aller se mettre debout. Voilà, je reste debout. Voilà, il fait rien en plus, il bouge pas, donc j'ai même pas à bouger, il est comme ça. Il regarde comme ça. Ok, encore 4 minutes. Désolé mais là j'ai pas du tout envie de vous divertir là. Je suis saoulé de la journée là. Ok, bon écoutez, il est 18h25 donc je peux enfin bouger. J'aimerais vraiment pas être un Sims, vraiment. 18h48, oh non. 18h53. Je danse encore, putain. Ça va être hyper gênant. Ok, à 19h09 j'arrête. Et qui se danse comme un connard et qui nous tape la honte en boîte, ok? Vous allez voir celui-là. Celui-là, dès que la musique est par là. Ça va être hyper gênant. Dites-moi dans les commentaires quel genre de personne vous êtes. Bon, c'est ainsi que ce moment très gênant pour vous, je suis désolé, vient de se terminer. Et du coup, il est actuellement 19h09. On passe à la prochaine épreuve. Anthony, je te laisse donner la prochaine épreuve. Let's go. Ok. À 19h11, je vais prendre un livre. Donc je lis jusqu'à combien de temps? Ok. À 19h28, j'arrête de lire. Oh, ça va, ça n'a pas duré longtemps. 19h11, donc c'est l'heure de livre. De lire, pardon, l'heure de livre. C'était soit un roman romantique, ça rime un peu, tu vois, ou alors un truc à mon goût. Oui, ça c'est plus à mon goût qu'un truc romantique. Mes amis les chevaux, la nuit tombe, plus rien ne bouge au centre équestre. Percheron, le cheval de trait massif, remarque. 19h28, on passe à l'activité prochaine. Let's go. Putain, à 19h41, je redanse encore là. Oh non, la ta ta la ta la. Je vais être trop mal. Bon, il est actuellement 19h42. C'est parti pour la danse. On reprend la danse. Je n'ai pas du tout envie, mais vous allez m'accompagner dans cette danse. Vous êtes prêts ou pas? Bon, je pense qu'on va se retrouver directement à la fin parce que c'est pas intéressant. À telle heure la team. Allez, il est 19h55, on arrête la petite danse et on passe à la prochaine épreuve. Eh, ça fatigue, hein. Eh, j'en peux plus, en même temps, j'ai rien dans le ventre, là. Comme glucide, j'ai absolument rien aujourd'hui, là. Voilà, tout à l'heure, la team. J'en ai déjà marre, putain, de ce challenge, là. Eh, les Sims, ils m'ont saoulé. Plus jamais je vais entendre parler du mot Sims. Putain, non, à 20h01, je dois reprendre un livre. 20h09, je le laisse.
Le jour se lève pendant que les chevaux s'ébrouent de leur boxe. Bonjour mes jolies. Sophie, la jeune directrice du centre équestre. N'importe qui pourrait entrer maintenant. Sophie, fonce les sourcils. Quel manque de chance elle demande. Je vais regarder la télé à 20h29. Ok, à 21h06, j'arrête la télé. 20h29, du coup il est l'heure de regarder la télé debout. Bon, comme d'hab, hein, vu que j'ai pas internet, j'ai pas Netflix, donc je regarde des émissions de merde. Enfin, celle-là, c'est un film de Noël. Je pense qu'on passe directement à la fin parce que ça va pas être intéressant. En plus, j'ai mal aux jambes d'être debout là. Eh, franchement, j'en ai marre. En vrai, le film, est pas... elle a vraiment pas mal. Putain, dès que je dis ça, c'est la pub, c'est un scandale. Ah, oh, cette journée, elle est compliquée, hein. Allez, à tout à l'heure. 21h07, donc c'est la fin de la télé. Et qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est quoi ce logo là au-dessus de ta tête de démon là? Non, non. Je vais mourir demain. Ok, à 21h12, papy. Putain, par contre, je vais être dans le mal de ouf, putain. À 22h15, il arrête de courir. Il a couru encore une heure, le bâtard. Non, par contre, c'est trop là. Je suis vraiment. Non, vraiment, je suis pas de cinéma. Pour moi, courir déjà dehors, ça me fait un peu chier, mais ça va. Mais courir sur un tapis. Non, c'est trop là. Le soir à 22h. Bon, 21h12, il est l'heure de refaire une heure de cardio. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de manger. J'ai faim et je suis pas prêt à faire ça là. Let's go! Je suis content mais pas du tout. C'est la tête qui tourne trop là, y'a rien mangé de la journée. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai arrêté les 1h, j'en peux plus là. J'ai fait 30 minutes environ. Voilà, premier échec de la journée. En plus j'ai trop mal à la cheville. Non, je cherche pas des excuses, vraiment j'ai un problème à la cheville, c'est vrai. Je veux que ça s'arrête, vraiment je veux que ça s'arrête. Je sais pas si ça se voit à la caméra mais je suis blanc là. Allez, let's go, prochaine étape. Ah, il va même pas se doucher, donc sans me doucher. À 22h21. Ok, à 22h31. Donc c'est vraiment genre tu regardes 10 minutes de télévision. Allez, 22h21, il est l'heure d'allumer la télé et regarder la télé comme un con. Le cardio m'a achevé, j'en ai marre là de cette vidéo. Bon bah comme d'hab hein. La pub. A tout à l'heure la team, je passe une trop bonne soirée. Manger. Enfin, je crois j'ai vu ce petit logo de manger là, sur sa petite tête là. Dis-moi que tu vas manger frérot. Oui. Et tu manges quoi? Je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être de la salade. Ok, c'est pas de la salade sinon je ne les mettrais pas là. J'ai le cœur déchiré. Attends, attends, attends. Quoi? Une fois que j'ai fini de préparer mon repas, il fait quoi là? Hein? Non, je prépare mon repas pendant pratiquement une heure pour le laisser en bas et aller dormir. Donc ça veut dire que dans le ventre, de toute la journée, ce que je vais avoir, si je me souviens bien, c'est des œufs. Je vais rien avoir dans le ventre, ça va être horrible. Petit fils de pute. À 23h30, dodo. Bon bah... Bonne nuit. Oui, j'ai mangé, c'est bon, j'avais trop faim. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, en tout cas toi, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, en plus je fais plein de challenges sur la chaîne. Voilà, gros bisous, à plus tard la team, prenez soin de vous, ciao. Et je suis toujours un Sims, ciao. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage, grâce à mes finances, je perds pas mon temps, car j'ai besoin de masse.